Et on commence tout de suite ce journal avec le sujet du jour qui est la conférence de presse organisée jeudi à la préfecture. En effet, à l'heure des premiers grands froids et suite aux faits d'actualité récents, Dominique Bure a souhaité présenter à la presse ce qui est fait en matière de logement et de relogement dans le département. Yann Ludman, sous-préfet chargé de mission, nous confie sa satisfaction concernant l'application de la loi Dalo en local. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2010, ont été désignés par la commission Dalo environ 400, un tout petit peu moins de 400 ménages prioritaires. Sur la même période de l'année, ont été relogés un peu plus de 370 ménages prioritaires. Vous voyez, donc on est au-dessus de 90% de taux de relogement. Avec le jeu des radiations, les personnes prioritaires qui refusent des logements, même si c'est très minoritaire, ça arrive, ou des ménages qui deviennent injoignables au cours du temps, c'est faible aussi, mais ça existe. La file d'attente de demandeurs prioritaires d'Allo, qui était de 300 ménages au début de cette année, 300 après seulement 2 ans d'existence de la commission Dalo, a été réduite à 270. Et d'ailleurs, il faut signaler que même si ce chiffre de 270 demandeurs prioritaires paraît élevé, il ne descendra probablement jamais en dessous de 240. Pourquoi ? Parce que 240, ça tient compte du fait qu'il faille à peu près 6 mois pour reloger, et la loi donne 6 mois au préfet pour reloger un ménage. Et comme il y a à peu près 40 nouveaux ménages prioritaires par mois, 6 x 40, 240, voilà, on ne devrait pas descendre au-dessus de ce seuil minimal. Et donc, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, donc c'est extrêmement encourageant.